Allô. 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 Voilà. Asseyez-vous. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Que tous les aigris soient vaincus au nom du mariage. Alors, ce jour, nous allons procéder au mariage de la cérémonie civile de M. Jimmy Danger. Je voudrais dire, M. Jimmy Ibo Ibo Laurent Latouan Titilo Zadiono Seri Kaloua Nienego Dibé Jimmy Danger et Afoua Kekewa Beye Odette. Alors, nous allons demander à la mariée de choisir son régime. Alors, mademoiselle Afoua Kekewa Gbeye Odette, quel régime choisissez-vous? Banane ou bien graine ou bien banane folio? Excusez-nous, madame. Ici, là, nous sommes à la mairie. Voilà. Le marché est fini, hein? Voilà. Maintenant, on parle de régime matrimonial. Voilà. Ah, monsieur le maire, c'est même pas la peine. Moi-même, quand j'étais déjà dans le ventre de ma mère, j'étais polygame. Alors, mettez polygamie, monsieur le maire. Ok, donc polygamie, c'est ça, madame? Monsieur le maire, polygame, là, il y a quoi? C'est quoi? Bon, la polygamie, c'est lorsqu'on prend deux femmes. Ah, d'accord, il y avait son l'autre là. Ah, monogame. Monomame, c'est ça. Ah, donc monogamie, c'est ça. Monsieur le maire, pour le respect de mon père qui, en son temps, avait cette femme, je vous en prie, mettez polygamie. Ok, donc polygamie. Monsieur le maire, pour respect de mon maman avec lui seul dans sa foyer là, monogame. Monsieur le maire. Faut pas m'énerver. Tu as compris? Mettez polygamie. Ok, polygamie. Monsieur le maire, monogamie. Monsieur le maire, j'ai dit pour l'émancipation des hommes maintenant là, mettez polygamie. Monsieur le maire, moi il a dit que pour émanciper ma maman là, faut même monogamie. Monsieur le maire. Monsieur le maire, oui, respectons-nous. C'est nous les chefs. Silence. Mettez polygamie, pardonnez. Voilà, monsieur le maire, monogamie. Monsieur le maire. Bon, oh, écoutez là, moi je suis fatigué de vos ping-pong de monogamie et de polygamie. Je vais aller droit au but, ok? Alors. Ibo, Ibo, Laurent, Lacroix, Antitilo, Sadionon, Seri, Kaloua, Nyanango, Kibel. Jimmy Danger, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Afoua Kekewa Gbe Odette ici présente? Monsieur le maire, c'est son père même qui me l'a donné. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, il n'y a pas de problème. Ici, à la mairie, on répond par oui ou non. Sinon, c'est parce qu'ils sont d'accord que vous êtes là. Oui, sinon c'est son oncle. Les gens n'étaient pas là, c'est la nuit, il est venu, il dit, ah, voilà ma fille, il faut la prendre. C'est ça qu'il a pris, sinon pourquoi il est venu ici? Bon, voilà. Maintenant, son oncle est dans la salle? Oui, oui, il est là. La tante aussi est là? Oui, oui. Sa mère aussi est là? Oui. Ton père aussi est là? Oui, oui. Ta mère aussi est là? Oui, oui. Calmez-vous. 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 Calmez-vous.
Quel est votre problème? Attends-moi ça. Tu veux pas qu'elle se marie à quelqu'un qui a chassé ma fille? Mon fils, il y a quel problème? Mais c'est mon fils! Monsieur, calmez-vous. Asseyez-vous. C'est pas ta femme? Asseyez-vous. Laissez ça. Mon fils, il y a quel problème? Mais attends, je comprends rien là. Tu nous emmènes ici et puis il y a trop de bruit comme ça. Lui là, c'est qui? T'entres comme ça? Je suis comment? Monsieur le maire. Hein? C'est monsieur là. Je le connais. C'est là. Regardez la cicatrice. On m'a frappé avant de la barrière de force et de cri. Monsieur le maire, de son autre village, je l'ai envoyé à Pucha. Lui, c'est mon ami. Il est venu me voir à la maison. Découragé. Il dit non, c'est particulier. Excès de l'aide. Elle peut faire prison aujourd'hui et demain. Il l'a chassé. Et je l'ai chassé. Bon. Maintenant, il apprend aussi que c'est devenu son grand-père qui avait pris mon grand-père, la femme de mon grand-père. Son père a pris la femme de mon père. Et lui, il veut prendre ma femme. Akiva, Toto. Monsieur le maire, ce monsieur est un homme dangereux. Il n'a pas de respect pour la gente féminine. Il maltraitait cette femme. Elle était comme une baguette. Moi, j'ai pris cette femme. Je l'ai lavée, je l'ai blanchie. Et aujourd'hui, il va me dire que c'est sa femme. Hé, arrête-moi, parce que tu es là. Oh. Monsieur le maire, il est ingrat, lâche, égoïste. Cette femme, fouette et peu physionomiste, et reconnaissant à la fois. Seigneur, sur elle, tout ce qu'elle a sur elle à travers. C'est avec mon argent. Je l'ai acheté au grand marché de Kumasi. Monsieur le maire, c'est peut-être vrai ce qu'il a acheté. Ouais, ça c'est vrai. Mais ce que vous ne voyez pas, tout ce qu'elle a porté en bas, c'est mon argent au grand marché de Kumasi. Hé, je dis pas ceci là. Oh. Monsieur le maire, vous voyez? Mais monsieur le maire, il est lâche, ingrat et égoïste à la fois. Ah, le lit sur lequel Dieu dorme, qu'elle a pris chez moi, c'est avec mon argent. Je l'ai acheté au grand marché de Kumasi. À quoi? Monsieur le maire, monsieur Dano n'est pas reconnaissant pour l'inauguration du lit. Monsieur le maire, c'était avec ma technique traditionnelle. J'ai dit viens ici là. J'ai dit viens ici là. C'est bon. Voilà. Y a quoi ça même? Vous finalement, y a quoi? Hein? Vous faites quoi partir même? Vous deux là, vous pouvez faire partie. Ah non, pardon, nous on n'est pas dans l'affaire de politique. Ouais, non. La politique, non. Nous sommes à la mairie. On prend rien. C'est où tu n'as fait comme Ibi, tu vois, où tu as son courage. Je dis, vous deux là, toi et puis avec lui là, vous verrez en haut, en bas, vous verrez. En bas!